Kinshasa accueille la troisième édition du Forum tunisien-congolais, une rencontre d'opportunités d'affaires qui permet d'étudier les moyens de promouvoir les exportations entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. Tout ceci dans le but d'impulser les échanges commerciaux et consolider les relations économiques. C'est sur fond de la COVID-19 que s'est ouvert à Kinshasa ce mercredi la troisième session du Forum économique tuniso-congolais en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie. Cette troisième session, qui se tient du 24 au 26 mars, a pour objectif d'étudier les moyens permettant de promouvoir les exportations entre la RDC et la Tunisie. Et ce, dans le but d'impulser les échanges commerciaux bilatéraux et consolider les relations économiques tuniso-congolaises. Dans son allocution, la chef de la diplomatie congolaise a fait savoir à son assistance que ces assises viennent répondre au deuxième axe stratégique de la mandature du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine dans son volet « croissance économique durable ». Marine Toumandeza espère que ce forum va offrir de nombreuses opportunités d'affaires et de coopération entre les deux pays. Pour ma part, je me sens honorée et heureuse de prendre part à cette troisième session du Forum économique tuniso-congolais, car je suis convaincue que nombre d'opportunités d'affaires et de coopération s'offrent à nos deux pays. Ainsi, je voudrais saluer cette coopération solidaire que je souhaite la plus dynamique possible entre la République démocratique du Congo et la République tunisienne. Ces accords permettront sans nul doute de donner l'élan à une coopération gagnant-gagnant au bénéfice de nos deux peuples. De son côté, le ministre tunisien des Affaires étrangères salue l'organisation du présent forum qui va permettre de concrétiser la volonté de deux chefs d'État pour amener les deux pays dans un partenariat stratégique mutuellement avantageux. Si l'on croit le proverbe congolais, la force du baobab est dans ses racines. Et les racines de la Tunisie comme la République démocratique du Congo sont profondément africaines. Notre continent est grand par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Au total, une cinquantaine de chefs d'entreprise tunisiens prennent part à ces assises et du côté de la RDC, on note la présence de la Fédération des entreprises du Congo et des directeurs généraux d'entreprises congolaises.